mais ce que nous en faisons. Donc merci pour votre patience. Pour ceux qui ne le savent pas, avant que le jury ne s'installe. Professeur de langue française à l'Université Lyon. Quand on continue, je vais laisser la parole à son président. Merci. Je suis également très heureuse d'être dans ce jury. Et moi, je me nomme professeur Marie-Thérèse Lévy. Je suis professeur de sociologie. Vieillir, c'est souffrir. C'est ce que je pensais lorsque je me demandais pourquoi est-ce que mon papa, âgé de 55 ans à la retraite, refusait totalement de venir vivre chez moi. Le thème de ma thèse s'intitule Effet sédatif et anti-épileptogène de la décoction des racines de Asparagus africanus chez les souris blanches Rhys musculus suisse. Ok, top, c'est parti. Il fut un temps dans un village au Cameroun, précisément dans le nord du Cameroun, une partie de la population a commencé à présenter des convulsions. Et là, moi, c'est Sawawa Soy. Le thème de ma thèse est intitulé La politique criminelle camerounaise à l'épreuve du terrorisme. Je viens de l'Université de Maroc. Merci. Top, c'est parti. Je suis Kolofata. Je suis Amchide. Je suis Shikashi. Mesdames et messieurs, que vous rappelle. Je vais dire top, on commence, ok? Le sujet de ma thèse est le droit pénal camerounais à l'épreuve des attentes du justiciable, les contours d'une crise de confiance. Top, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai un secret à vous livrer ce soir. Semblerait-il que les Camerounais sont de grands infidèles. En ce cas, je veux vous expliquer. Bonsoir. Il y a quelques années, la houe et la machette étaient les principaux outils pour travailler la terre. Mais aujourd'hui, les pesticides ont pris le pas. Tout le monde utilise les insecticides, tout le monde utilise les herbicides. Oui, vous allez me dire que ces produits augmentent le rendement agricole, c'est vrai. Mais il y a des évidences scientifiques aujourd'hui qui montrent que ces produits sont plus dangereux pour la survie de l'espèce humaine que la famine. Et oui, et pour nous en convaincre, nous avons mené une étude. L'histoire que tu m'apprêtes à vous raconter, en photo tout avec moi, elle nous renvoie dans les origines les plus sombres de l'humanité. Nous sommes le 14 février 1998, ici même à Yaoundé, au quartier Sambre. Assurez-vous, il ne s'agit pas d'un crime passionnel. Pire que ça. Un grave incendie survenu à la suite d'un accident ferroviaire de deux wagons-citernes, causant le décès de plus de 235 personnes et causant de nombreuses brûlures graves. Top, c'est parti. Bonjour. Savez-vous que la bouche représente le reflet, le miroir de tout l'organisme? Savez-vous également que lorsque vous ouvrez votre bouche, votre médecin est capable de vous dire si vous êtes en bonne santé ou alors si vous souffrez d'une maladie. Chez les personnes atteintes de VIH, de diabète ou de cancer, nous observons fréquemment dans leur bouche. Top, c'est parti. Bonsoir. En janvier 2016, Dame Hélène décède dans un hôpital de la place des suites d'une fausse couche. En mars 2016, Dame Monique meurt à son tour alors qu'elle doit donner naissance à ses jumeaux dans un autre hôpital de la place. Et dernièrement,
en mai 2000. Bonsoir. Imaginez-vous dans cette salle que des terroristes arrivent, tirent sur les hommes, violent les femmes et décapitent les enfants. 15 minutes plus tard, les hommes armés arrivent pour sécuriser la zone, tirent également sur les suspects et arrêtent les autres pour les amener pour besoin d'enquête. Ouf, que les milieux de l'économie sont difficiles à protéger. À tous, je suis très sensible à votre appel. Comme moi, mes élèves sont sensibles à une thématique dans la géographie, le paysage, une montagne, une rivière, une savane. Ils sont tellement sensibles à ces éléments qu'ils donneraient 180 secondes pour effectuer un voyage. Et pendant ce voyage, leur corps se comporte comme une guitare qui émet des... Et grâce aux panneaux de renseignement, nous avons une connaissance globale de la route et donc de l'ADN. Les informations ainsi prélevées de l'ADN sont utilisées dans des modèles mathématiques pour prédire ce que nous obtiendrons plusieurs années plus tard. Ça s'appelle la sélection génomique. Mais quel est le lien entre ceci et le palmier à huile? Alors, est-ce qu'il est pertinent de parler du palmier à huile? Je dis oui, parce que 3 milliards de personnes dans le monde. D'accord. Donc, vous présentez le sujet de votre thèse parce que nous n'avons pas. Avancez, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Vous présentez, donnez-nous l'intitulé du sujet de votre thèse. Bonjour à tous. L'intitulé du sujet de ma thèse, c'est Impact de la dégradation des sols sur la végétation du parc national de la Bénoué et ses périphéries. Ok, donc dès que je veux dire top, vous commencez, vous aurez 3 minutes pour présenter votre sujet de thèse. Qu'est-ce que vous pensez de sa prestation? Est-ce que vous pensez qu'il peut représenter le Cameroun en septembre à Paris? Si vous êtes ok pour ça, vous levez la main et on fait le décompte. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut procéder au vote maintenant? Combien de personnes pensent que M. Sawawa Soyibou peut représenter? 12. C'est bien de comprendre, tu as eu une voix de plus. 9 mois. La prostate à Tchon, effet préventif de théorachis et guéris. Ok, d'accord, on a compris. On fait le décompte. C'est pas moi. Pardon? S'il vous plaît, enlevez vos masques. Une photo d'ensemble en mémoire. Et avec votre autorisation, bien sûr. Je donne donc le nom du troisième prix, c'est Monsieur Achille Numa. Monsieur Achille Numa remporte le prix de troisième prix remis par l'Université de la Francophonie à travers le campus numérique francophone. Félicitations. Vous pouvez l'applaudir, hein? C'est pas évident de gagner un prix. Samuel Mathieu. Monsieur Tom Samuel Mathieu reçoit le deuxième prix qui est remis par le représentant de l'IRD. Félicitations, monsieur Lam. Professeur Drangé Nesto devoir remettre le prix du public. Il est attribué à monsieur Bonsou. Bonsou. Pardonnez-moi. Félicitations, monsieur Bonsou. Édition 2021, pour ça, remettez-le. S'il vous plaît, applaudissez-le. Il ne s'y attendait pas, apparemment. Il ne s'y attendait pas. C'est moi qui dois vous remettre. Oui, oui, c'est vous qui lui remettez. Félicitations. Merci pour ça. Merci. Vous pouvez. Ah, quelques photos.